C'est la première fois que je parle de ça, docteur. Ça devrait me soulager, non? Vous savez, on n'est pas libéré d'une telle expérience seulement en livrant son histoire à une tierce personne, mademoiselle. Oui. Même les couples avec lesquels je travaille, parce que je travaille essentiellement avec des couples, j'ai des boulimiques aussi. Mais j'avais une question, pourquoi vous êtes venu me voir, moi? C'est un confrère qui vous a conseillé? Ou c'est un couple d'amis à vous que je traite et... Non, non, pas du tout. En fait, c'est parce que je vais souvent à la gare et puis je passe devant votre plaque, alors c'est pour ça, je suis entrée. D'accord. En fait, avant, je pouvais vivre sans penser à ça, et là, depuis quelque temps, je vois son visage partout et je sens ses mains sur moi. Simplement, voilà. Vous avez subi un grave traumatisme, mademoiselle. Odette. Je m'appelle Odette. Oui, vous l'aviez dit. Ouais. Mais vous savez, d'habitude, mademoiselle... Odette. Une distance avec le patient est nécessaire. Le prénom, c'est un petit peu trop... Ok. C'est si important pour vous, ce prénom? Ouais. Parce que Odette, c'est le signe blanc du lac des cygnes. Le signe blanc du lac des cygnes? Ouais, le ballet. Le ballet? De danse. D'accord. Tchaïkovski... Oui, je connais. Odette, Odile, le yin, le yang, le blanc, le noir. Oui, je connais. Odette comme le signe qui meurt. Je vais être franc avec vous, d'habitude je traite des cas moins violents. Je vais vous orienter vers une consoeur qui saura bien mieux faire que moi. Mais vous rigolez ou quoi? Non mais moi je monte dans votre bureau, je vous dis quelque chose que j'ai jamais dit à personne et vous, vous m'orientez vers un confrère ou une consoeur ou je sais pas quoi? Non, mais je ne vous rejette pas. Vous me rejetez pas, monsieur, je vous le dis. Non, je veux seulement que vous soyez accompagné par la bonne personne. Pour aller mieux, plus vite. Je le dirai à personne d'autre. D'accord. Moi, je parle pas beaucoup, vous savez. Je danse.